Le concept, c'est de permettre. C'est une fin d'étude. Donc, c'est une évaluation, en fait, pour des étudiants de Master 2. Et en fait, ils ont préparé un dossier pendant 2 mois sur différents sujets. Et là, c'est leur soutenance orale. C'est quoi l'idée de faire ça de minuit à 6 heures? L'idée, en fait, c'est de leur permettre un peu d'exprimer leur créativité. Parce que normalement, les soutenances, elles ont lieu la journée dans des formats qui sont assez classiques. Et là, en changeant juste la temporalité, en se disant on va faire ça de minuit à 6 heures du matin, on leur permet de se libérer, de libérer leur créativité. Surtout que notre intention à nous, on est deux enseignants ce soir, elle a tendance à diminuer. Donc, ils vont devoir faire un effort pédagogique pour justement nous faire passer leur connaissance. Plus de créativité entre minuit et 6 heures, ouais. Ça veut dire que plus tard, quand ils vont travailler, il faut qu'ils prennent des jobs de nuit? C'est une bonne question. Non, je crois que... non, c'est au contraire, c'est la seule occasion. Une des seules occasions, je pense, dans leur vie d'étudiant, où ils pourront avoir cette chance de faire ce travail de minuit à 6 heures. Après, dans le monde du travail, on sait qu'ils auront des horaires normaux classiques. Ça va leur donner des souvenirs, ça va fédérer un peu aussi une espèce d'esprit de groupe entre eux, de promotion entre eux. Est-ce que vous mettez aussi à l'épreuve en donnant les résultats juste après à 6 heures du matin? Non. Vous nous laissez le temps quand même de corriger parce qu'il y a un rapport oral. Il y a une soutenance orale et puis un rapport écrit. Et donc en fait, ce rapport écrit, il faut quand même que je le lise et que je l'évalue. Donc non, les résultats, c'est en janvier. Puis j'ai peur aussi après des réactions si jamais on leur donne à chaud comme ça. Donc non. Surprise, elle continue en janvier en fait.